Comment ça va? Comment ça va voir le coffre? Ah, on peut pas l'ouvrir? Non, faut... après le boss, c'est l'os du boss. Oh, du trop boss, stylé la musique! Ah, bah. Ouais, c'est normal, c'est normal, on focus le. Oh, j'ai repris l'aggro, les gars! Incroyable. Ouais, bon, tu peux me mettre un bouclier, j'aime bien ça. Ah, le deuxième! Ouais, il reste invisible, il reste invisible. Ah ouais. Putain. Vas-y, je me spam heal. Si tu veux, régène ta mana. T'as les potions Xela qu'on t'a filé? Ouais, je les ai spammés, je les ai utilisés. Régène ta mana, vite, vraiment, régène ta mana. Je me mets en full régène. Attends, pour le coup, je vais pas lui mettre le buff de puissance d'attaque, lui. Vas-y, remets-toi, j'ai 50% là, presque. Ouais, t'inquiète, hein, j'ai de quoi me... J'ai de quoi me mettre des dots en fait, c'est pour ça. Et j'ai encore le... Enfin, vu que je l'ai tapé beaucoup, j'ai beaucoup de générations. Hein? Oui, il applaudit. C'est quoi ça? Je connaissais pas. Y'a pas nous mettre un coup de canon, une merde dans le genre? Il change d'arme. Ouais, il change d'arme dans son coffre. Ah, c'est stylé! Y'avait ça à l'époque? Non mais le tapez pas, reculez. Comme ça on régène la mana. Bien sûr qu'on le tape. Il résout. Comment ça on le tape pas? Putain de... Encore ? Sérieusement, ouais. Chauffer. Mais c'est pour ça, autant le fais-le à côté du coffre. Hein. Mmh. Oui, ah, par contre, ce qui est cool, c'est que mes dots continuent de ticker. Ah hein. Oui, non, nous... Effectivement, les voleurs, ils l'ont manqué. Ouais, mais les voleurs, c'est des connards, de toute façon. Bah, tu régènes ton énergie, non ? Non, mais ouais, c'est juste que nous, on le... Enfin, ils le ah, tapent jamais. GG Lucas. Ici, ah, voilà. Ça. Ils l'ont pas dans le cul, les voleurs. Ah, bah, bien ça. Ah, je perds du DPS à faire le... Après voilà, moi j'aurais bien mis besoin et je l'aurais vendu. Ah ouais, mais il a fait 100. Tu l'aurais pas battu. C'est vrai que... Oh la vache. Ah, il la voulait sur les pieds. Il aurait dû t'en donner de 2 carrément. Pour le 100. C'est vrai qu'ils auraient pris un petit peu. Ce qui est joli. Hein. Lui, je les ah, il est plutôt joli. Joli petit sabre. Tu veux contre l'avant? Non, il vient pas. Bon bah il vient pas. Par contre je trouve très stylé la musique. Parce que ouais, la première que tu m'avais envoyée Wabzu c'était celle... Enfin ça c'est la première à 36K TTC. Et je crois qu'ensuite il y avait celle justement avec un kit GT 500 mais qui était genre à 43K. Ça m'a fait un peu hésiter mais ouais non. Je veux bien ton œuf après. Tu veux bien? Quoi? Ton œuf. Enfin, ah oui. Ça. Oui. Pierre de soin. PDS. J'appelle ça, il y a un œuf. Si tu veux le lexique, ah, ça, ouais. On appelle ça nous une PDF. Ah, ouais. Oula. PDS c'est Pierre de foyer, non? PDS, excuse-moi, j'ai mal. Démerdez-vous, moi je combats le compagnon. Allez pas à gauche. Ah oui, il y en a partout là, putain. J'essaie de reprendre. Il y a un ping. Je comprends pas, c'est censé m'accorder pourtant 100% de régène. Plus c'est clair, plus il se régénère. Pourquoi ça marche pas? Parce que cast à 0 de régène. Hmm, t'es pas en bas. Oui mais je suis censé avoir un buff qui s'affiche ça que je crois en bas. Ah. Salut Corben. Ah. Enfin, là le siphon d'âme, ça ok. Et en fait quand je le bute, enfin hein. Quand il meurt. Je suis censé avoir un buff en fait de régène mana justement. Aussi bien hors combat que pendant en combat. T'es à 100% tu... De quoi de malade? Ah non, pas du tout. Non, non, 100% de proc. Ouais, là, justement, j'ai mis le deuxième point. Vous avez, font faire 100% de chance d'obtenir un bonus de 100% de vitesse de récupération, blablabla. Si la cime meurt,
Blabla, votre mana continue de se régénérer. Ouais. Genre, ah, genre, c'est parce que faut que tu tues la cible normalement. Ah, c'est peut-être moi qui la mette le dernier coup. Toi, oh, c'est nul à chier. En prêtre, j'avais la même chose et en donjon ça fonctionnait pas. C'était que du coup hors donjon quand je tuais la cible. Donc c'est de la merde. Ok, en prêtre, bah merci. C'est que aussi quand tu tues. Ouais. Donc c'est bien en fait quand je suis solo, enfin quand je quête quoi. Oui. Quand je quête c'est stylé, mais là ça pue la défaite. D'accord. Alors après tu respect. Bah oui. Gauche, droite. À gauche. Oh, y'a un rat. Il y a un rat ? Un rat, rat. Il est où ? Un rat. Il est mort. Un rat ! Putain, j'ai compris, un rat. Je sais pas où on va. À gauche, voilà. À gauche. Ah. Non, c'était à droite. Absolument, c'était poule à droite. Bah, on m'entend pas. Droite ou gauche ? Si, on t'entend. D'ailleurs, j'ai... C'est moi ou t'as trouvé un cabriolet à moins de 30 plaques ? C'est quoi l'arnaque ? Là, je t'avoue que ça m'intéresse. Parce que ça, on doit être à quoi ? On est à 34, 35 à tout péter ? Ah, 87 000 km. Ok, je comprends bien. Elle a vécu. Oh, c'est qu'elle est vraiment pas chère, putain. J'avoue, c'est tentant. C'est vrai qu'elle a vécu. Cabriolet, c'est sympa en vrai pour l'été. Oui, un murloc. Ah, ça tu verras. Ah, bah, macaron. Ah, bah, c'est le boss. Faut faire la plouf, je pense. C'est à dire quoi la plouf? Ah, plouf plouf. Ah, moi je suis honnête, hein, toujours Corben là-dessus. On finit le pirate, les gars, avant le boss. Zulit. T'inquiète, t'inquiète. Non, mais hésite pas à me dire. Hein. Parce que moi, à tout moment, je peux spam. Si t'as plus rien, tu me dis. Hein. Non, ça va tenir une fois qu'on finit les autres, c'est bon. Tu me dis dès que t'as fait le mal, tu me dis, moi je peux me dire. Ah bah Twitch Money Forever. Hein. Je veux gagner une chier d'argent pour créer une chier de truc. Ouais. Bon, c'est quoi sa cuisine de macarons ? C'est. Non. Ce qu'il faut. Putain, il me casse le cul. Jet d'acide. Ah. Oui. C'est une putain de... Ah, génial. Ah bah Lucas. 2,80. Ah, bah oui. C'est pas mal ça, il non a pas looté la baguette. Ah oui, c'est pas mal du tout. Ah, ouais. Ah, il looté une baguette. Une baguette bleue, ouais. Ah, dommage. Putain. Je y a pas d'op graphique, Corben Banane, c'est Wovania. Y a pas d'op graphique, j'ai juste un PC à 9000 balles et un écran 21/9. Et on est dans une grosse résolution, mais c'est le même jeu. Hein. Ils ont même pas mis les nouveaux modèles de personnages chez Bata. J'avoue, ça oui. C'est... Tiens, Lucas. Ouais, ça fait une belle. Bon, par contre, je... Ah non, c'est vrai. Ah, une potion de soin, t'en veux pas? Une grosse? Non, mais c'est surtout, j'en ai trop. Là. Bah, en masse. Ah oui, bah, la masse, on repart de... J'étais en train de monter les épées, bah, maintenant, je recommence. Dure vie, quand même, hein, le voleur qui loot tout, là, en donjon. En vrai, ça va vite, hein. Je suis monté de 0 à 85, oui. Depuis que j'ai looté les épées. Ah, on tape plus que quand on... Bon, c'est juste que là je ne sers pas trop DPS, le temps sert. Et là, Pookie, t'aurais dû dire, t'inquiète, ça change pas d'habitude, maintenant que t'es premier DPS. Oh, une hache. Ah, c'est bon. Oui, non, là, demain, on te regarde, mais peu de chance, hein. Ouais, voleur à demain, je suis sûr que c'est méta. Voilà, 17, non, c'est trop haut niveau pour... Ah, Pookie, c'est vrai que Pookie, il peut, hein. Ouais, 14. Oh, Pookie Ninja! Ninja, là, je pense. A la fin du donjon, après, tu seras peut-être, je sais pas à quelle heure tu seras couché, Wabzou. Nous, dès la fin du donjon, pour le coup, je vais me concentrer un peu sur les bagnoles. On verra ça en détail. Parce que là, va falloir que je réfléchisse. Ah, page pas trouvée, ton dernier lien. Has not been found. Ah, c'est pas la même, d'accord, 29990. Ah, c'est pas la même, putain, attends. Alors. Là, on prie pour que ceux du dessus ils aggro pas parce que t'es trop bas niveau. Faites pas d'AOE ou de trucs. Mais je suis pas bas niveau, je suis juste un joueur incompris. C'est tout. Que les aggro, faut pas sauter, hein. Sautez pas. Là, après, c'est aggro tout l'étage.
C'est ça qui est bon. Ouais. The Elite. Il a peur chaque fois. Ouais. Il a, en fait, je crois que vraiment que Zella, t'as joué à trop de MOBA. Et je pense que t'as juste plus confiance en tes mates. Non, mais j'ai 840 HP, je descends à 200 HP. C'est normal! C'est normal! Tu dois l'engueuler uniquement si tu meurs. Alors, crois-le ou non, et pourtant c'est Zulith, j'aurais tendance à faire confiance à Zulith. Ouais, c'est pas facile à dire. Hein. Mais je ferai quand même confiance. Tant que t'es pas mort, laisse le healer gérer son truc. Ok. Si tu meurs par contre, je serai le premier à le pourrir, t'inquiète pas, surtout si elle a de la mana. Ça sera qu'un immense plaisir. Mais. Bon, pars du principe que ce n'est plus ta barre de vie, c'est la barre de vie du healer. Tout comme le. On n'a pas nous à déterminer qui est pull par quoi, c'est le tank qui pull. Tant que t'es en vie, t'as rien à dire. Et qu'il te met pas un bouclier qui te nique ta rage quand tu pull. Parce que ça c'est vraiment un truc de con de prêtre. Mais il le fait pas pour le coup, donc ça c'est chouette. Quelqu'un veut une PDS? Personne veut de mes. Personne veut de mes PDS. Ça a pull en haut. On les a toujours sur nous. Ah, ça a pull, ouais. Oh putain, ouais. Oh, ça arrive. Y a un massif pull. Ah, ouais, là c'est pas mal. Là, là on est bien, les gars. Là. En vrai, ça va. Non, parce que c'est les compagnons ils font un peu peur, mais en vrai, ça va. Ah, y'en a qui arrivent de derrière aussi. Oula. Ah, ah ouais, là ça va être plus vénère là. Le pirate qui est sur Lily. Wow putain, la mana descend de temps. Courez, Zulith, cours. On les fait. J'ai pris tout, hein, une pierre de soin, tout. Ouais, recule. Faut juste que tu cours, Zulith. Ouais, je... On les tue au fur et à mesure, t'inquiète. Le fear, ouais voilà, le fear, bon call, à ce stade là. Je te lis vite, hein. Il y a tant que dommage, c'est pas un match pour les chips comme ça. Hein. Ça va. Je te heal, Zulith, moi je vais me transformer, je peux plus te heal. Je vais vers toi. Ok, ouais, on focus, on switch le focus sur le chasseur, il est plus bas. Sinon, en fait, tu veux pas te toucher. Mais putain, il veut pas me lâcher en fait. Ah, la passion, hein. Le problème, c'est que si tu meurs, c'est qui cours au pire. Qui le focus, vu que t'es en mêlée. Ah, si, bah celle-là, on voit bien. Là, on l'a vu, c'est bon. C'est le pirate. J'arrive pas, j'ai plus rien, Xel. T'as le res ou pas, t'as Zulith? C'est bon, j'ai un truc pour toi. Oui, de toute façon, je me pré-heal. Ok. T'as plus sans faute, toi, Zulith. Sans faute, sans faute. C'est chaud, là. Sur cette table là, on a vraiment mal géré là. Je suis pas sûr qu'on y pouvait grand chose, hein, ouais. Je crois qu'on a, on a du aggro les mecs de dessus d'un coup, quoi. Ouais, mais justement, ouais, je crois que c'est parce que je suis trop level, on y peut rien en fait. C'est ça que je veux dire. Enfin, je sais pas si c'est moi ou. Tout le monde s'en serait barré en courant comme des. Et à juste titre, hardcore, ouais. Oh putain, mais. Eh, sans mort. GG, les gars. Ils vont se pas tester bien, hardcore en vrai, j'ai ça me switch en mais c'est là, en gros, quand il y a un putain de pool comme ça, que c'est là, n'hésite pas à laisser un mob sur chacun. Bah en fait dans tous les cas j'ai juste debuff l'attaque des mobs. Oh oui, ça, et après j'ai essayé de prendre juste un ou deux mobs. Et quand j'ai vu Zulith il était low, j'ai fait full heal pour essayer de reprendre l'aggro. Tu reprends, faut surtout reprendre Doris, ah. Parce que dans tous les cas il va il est tout. Qui a parlé là? C'est Van Cleef? Je sais pas. J'ai entendu une voix. Ah non, je suis con, excusez-moi, c'est mon invoque. Toi bien. Toi bien. Ton dernier lien, ouais, il marche pas à Wabzu au cas où. Pas introuvable. Mais ouais, on va faire le tri à Wabzu. Je veux bien que tu me dises par contre. Pour le cabriolet là. Attends, non, excuse-moi, celle-ci. Qui a 29 990 et 75 000 bornes. Celle-ci, je veux bien que tu me dises, s'il te plaît, le TTC. 97, ça fait un peu beaucoup quand même pour le coup. Parce que me connaissant, je la revendrai quand elle sera 97 globalement. Je te jure, hein, page introuvable. Ah bah y'a plus personne. C'est fou, ouais, ça. Non. Ouais, je veux bien PDS. Yes. GG. Là, tu me demandes si à l'époque on savait qu'il fallait partir en 1 contre 2 PDS. Qu'il,
fallait quoi, excuse-moi ? Est-ce qu'on savait qu'il fallait à... Bah, je sais pas. J'ai pas entendu, moi, tout le monde. Un tank, un DPS, 3 DPS et un heal. Perso, on me l'a dit direct, hein. La selle à la... putain. 29 990, 75 000 km grise. Attends, je te la remontre. Celle-là. 2015, 75 000 bornes. Là, celle-là, elle est très intéressante. Sachant que l'autre est à 31 280 et que t'étais à 36 000, là, on doit tomber, on doit être en dessous. Qui a gros ? Oula, courez. Ah ouais, c'est... Enfin, venez, on descend en bas, tout en bas, là. On sait pas, je sais pas ce qui a été aggro, donc on descend. Ah, il y a le boss, il y a le semi-boss. En fait, il y a une mid, pas une patrouille, mais trois mobs qui se déplaçaient, ils ont été aggro. Il y a Kel'Gath qui s'est fait déplacer. Ouais, c'est pas grave. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, Kel'Gath, il est allé en mode balai couille. Ah non, parce qu'en fait, là, il était en défensif. Un boss, hein, je le dis. Ah. Et sinon, la roue, c'est un safe spot, hein, si faut réussir à sauter dessus. J'en invoque Kel'Gath d'ailleurs, moi. Ah oui! Ah vache, ouais, courez. Bon, on est mort. Non, mais là, c'est wipe, putain. Hein. Et si on était en hardcore, c'était mort. Hein. Ah ouais, shot dans l'eau, j'étais peur. Et c'est quoi que t'as dit qui était un safe spot? Il a trop de là. Je vous montre, mais. Après, faut pas rater son saut. Après, on peut essayer d'en ici, bah, normalement, oui. Ici, normalement, c'était un safe spot, là où je suis. Ici, moi, je te vois pas, moi. Normalement, ils peuvent pas venir les mobs là où je suis. On te voit pas. Ah, mais ils reset ou ils. Ouais, il reset. Ah, mais t'es derrière nous. Ah, merde, t'es de l'autre côté. Parce qu'en fait, ils se mettent en mode éviter, tu sais, t'es en mode éviter parce que... Mais t'es où, putain, on te voit pas du tout. Toucher, alors... Ah, t'es en haut. Ouais. Oh, la vache. Ok. Bah, en fait, en gros, ouais, un mom m'a tapé. Comme un mom m'a tapé, mon pet y a été, parce qu'il est en défensif, pour le coup. Et Ils s'arrêtent jamais, les mobs. Je sais pas s'ils désagrent pas. Hein, non, ça se désagrent pas, faut que vous mouriez maintenant. Laissez mourir, et moi, je vous dis, quand ils vont revenir, s'ils viennent me tuer ou pas. Ok, je l'ai un V5 là. Vas-y. C'est bon. On va dire que c'est leur barre de vie et pas la tienne, hein, qui est descendue. Mais t'as juste le poison depuis tout à l'heure, Lucas. Ouais, c'est alors, le poison qui m'a fait tirer. Mais c'est le boss. C'est le boss. Ah, hein, c'est le boss. Ils sont sur moi là, ils bougent pas. Ah, c'est rigolo, là ça marche, j'ai copié-collier. Ils sont full buggés, je pense. Je pense qu'ils restent comme ça tant que tu. Non, après, normalement, ils désavouent. Enfin, en tout cas, à l'époque, au bout d'un moment, ils désavouent. De toute façon, il faut pas envoyer un truc. Oh tiens, t'es à côté, dis-moi, je vais repartir sur le truc, tu me dis s'ils reviennent. Alors, y a une patrouille. Ils ont des pop, mais là y'a une patrouille qui est passée sur moi là. Ah, ils ont des pop donc, ok. Ils ont des pop et y'a une patrouille. Pas mal. Y'a la patrouille de Macaron. Alors, 35K, c'est pas mal. C'est des défias, ouais, bah c'est tous des défias. Mais... 35K, coup, c'est pas mal du tout, putain. Bah, tout le monde. Alors attends, c'est quoi la couille de... Ouais, vous pouvez tous raise. C'est quand la pierre de raise du démo là. Julie, t'as un raise ou pas toi? Tu peux raise en prêtre? Pas encore. Si, il peut. Mais les 18, non, il peut la dernière fois. Moi, je peux raise. J'en profite. Mais je suis mort, en fait. Oui, je sais, mais tu vas devoir revenir. Oui, ce qui va AFK quand même. Je suis ma diva streamer pour parler avec mon courtier. Voilà. Ok. Merci. C'est 3 PO. Attends, non, ah, attends, non, non, attends, je te parle de celle-ci. Je te la renvoie. Ils ont peut-être celle-là. Ils ont TP. C'est ce que je t'ai dit. Ah oui, ils ont TP. Oui, ils sont revenus. Ils ont des pop. C'est juste parce qu'il y a une pente, il y a une patrouille. Effectivement. En gros, celle que tu me dis à 36 000. Que je libère. Ouais, voilà, toi, tu parles quand, de. Quand c'est la merde, bah, normalement, là, c'est pas grave. C'est d'aller sur la route. Ah oui, s'il y a une patte. Attends, je mute pour l'instant. Ah putain. Ah, les liens, en fait, ils aiment pas en. Bref, donc en gros, c'est celle-là que je voulais savoir. Parce que l'autre, qui était à 31 280, tu m'avais dit 36 000, ok? Donc celle-là, sachant qu'elle est plus de 2000 euros moins chère, elle est presque 3000 euros moins chère, parce que 32 280, non, un peu moins, 2500 euros moins chère, et ben, elle doit être vraiment moins chère aussi. En plus, elle est 2015, donc le malus doit être très très faible. Donc 35K, c'est bien la 29 990, on est d'accord. Ou c'est la première? Excuse-moi, je suis perdu. Ah putain, mais même maintenant copier-coller les liens, ça veut pas. Oh merde ça, alors que c'est mon propre lien. Pourquoi il aime pas lien? Attends, je vais essayer de retrouver. Je sais pas pourquoi ça veut pas les. Casse les couilles ça. Copier. Ah, oh, bah écoute, je peux plus les voir. Est-ce que. Non, je vais essayer un autre navigateur. On va voir.
C'est peut-être un bloqueur de pub ou je sais pas quoi qui... Copier... Oh putain, je crois que je vais me taper 25 pubs par contre. Donc celle-là, non. Elle est un peu trop à mon goût. En termes de kilomètres, je précise. Merde, j'aurais pas dû fermer comme ça. Celle-ci... Voilà, celle-ci, je vais être sûr que si c'est bien celle 35K, ce que tu me dis, celle que j'ai calculée, c'est le début de contact. Alors attends, 35K, regarde. Ça, c'est passé le début de contact. Ah, et voilà, ouais. Ah si, c'est la même. Ah, d'accord, c'est selon votre site, en fait. D'accord, ok, ça j'ai pas compris. Re-Boons, pas de problème, je comprends. Alors, je suis curieux par contre. J'ai organisé un Red Viewer. J'en organisais beaucoup. Je sais pas si tu savais à l'époque. Boons, mais je faisais des Red Viewers réguliers. Et le seul but de ces Red Viewers, c'était d'aider les gens à clean des raids. Argus. Argus était fin Légion. Pourtant, il me semblait que t'étais bien plus vieux que ça, Boons. Pour moi, tu viens d'Alkesh en 2017. Argus, c'était fin Légion, donc mi-2018. Kill Jaden, c'était quand qu'on l'a refait ce con? Oh, je me rappelle plus. Légion, ok, oui. Attends, Kill Jaden. Juste que moi, je regarde la photo, faire plus propre. Yes. Celle-ci, suit. Ouais, t'inquiète pas, je vois. Bref, donc est-ce que je voulais te répondre pour ta phrase? Je te remercie pour ta phrase. J'ai organisé les Red Viewers pour aider les gens, ok? Moi j'y gagnais rien, j'avais clean, tu vois, je faisais le mythique, donc les Red Viewers c'était vraiment pour aider les gens. C'est cool de jouer avec la commu, je prenais des rioles, genre de choses. Alors j'avais qui est malmené un pote. Ok. Je suis peut-être un gros con, mais c'est jamais gratuit. C'est-à-dire que je veux bien être un gros con, impatient, intolérant, arrogant, plein de trucs, y a pas de problème, je suis un gros con. Mais je vais pas d'un coup kick un mec pour rien. C'est-à-dire que ton pote, il avait dû dire ou faire un truc, forcément. Après, on pourrait débattre de est-ce que ça méritait qu'il se prenne un kick ou que j'envoie chier. Ça, je peux trouver un débat. Mais tu me feras pas croire que d'un coup, je me suis dit, je sais pas qui c'est ton pote, hein, je rappelle du truc. Mais oh tiens, lui, j'aime pas sa gueule, je le kick. Non, ça marche pas comme ça. Il y avait forcément quelque chose. Je dis pas que je suis pas fautif, attention, hein, je connais mon tempérament, je connais ma patience. Je sais que je peux être un gros con. Il y a pas de vraie remise en question là-dessus, hein, pas de soucis. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je faisais un Red Viewer, j'étais aussi Red Leader. Donc j'ai essayé d'aider les gens à comprendre la strat, faire en sorte que bah, le raid se passe bien pour l'intégralité des gens du raid. Et pas avoir de clown, ni de rusher, ni des mecs qui font sous droit et qui écoutent pas la strat quand je leur dis de focus tel truc, pour que les gens apprennent, etc. quoi. Et merci à Fuck the World pour le follow. Ah, ça me ressemble très bien. Tu vois, par exemple, là, tu me dis, il a fait de la merde, mais moi, je me suis comporté ensuite mal. C'est possible, enfin, mal. J'ai été très dur ou j'étais con ou autre. Ça, c'est tout à fait envisageable. Et dans ce cas-là, désolé, sincèrement. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. J'étais impatient en tant que leader. J'ai toujours été impatient en tant que leader. J'ai toujours été impatient dans la vie, j'y travaille. Mais ça, je veux bien te croire, pour le coup. Ça me paraît très, très, très crédible. Ça, je veux bien te croire. Sache que ton attitude face à l'adversité que tu as subie m'a servi dans la vie. Alors, cette phrase m'intrigue. J'essaie de te faire confiance là, mais cette phrase m'intrigue. Tu parles quoi vis-à-vis de ma famille qui est décédée? Vis-à-vis des connards sur Twitch? Parce que je veux dire, ma famille, enfin, je ne l'ai jamais caché hein, ce qui s'est passé hein, sur Twitch. Tu parles des gens qui m'ont rendu ouf sur Twitch? Tu parles vis-à-vis de quoi? Ah, vaste programme ça. Et en quoi ça t'a servi, je suis curieux. Oh. Ah bah c'est celle que j'ai, tiens. Je suis curieux. Oui, effectivement. Ça c'est une phrase que je répète souvent en live. Elle fait un peu péteux mais elle est de moi. Je préfère que vous me détestiez pour ce que je suis que vous m'appréciez pour ce que je ne suis pas. Je le pense du fond du cœur. Je trouve ça triste de devoir incarner un personnage pour qu'on nous apprécie. Je trouve ça vraiment d'une tristesse infinie.
C'est-à-dire que si les gens en arrivent là, c'est moche. Pour eux, pour leur commu, pour tout le monde. Les humains, ils perdent en général. Même pas de ça, Corben. Même pas ceux qui sont en mode ma famille, mes trouloulous, mais juste. Soit ceux qui ont tellement pas confiance en eux, qui se disent qu'ils vont jouer un tel personnage ou qu'ils vont surjouer je ne sais quoi. Soit ceux qui sont en mode à jouer les good guys. C'est, alors que c'est des gros 5 à merde IRL. Et qui vont jouer ouais, les good guys, tout gentils, tout mignons, alors qu'en fait c'est des gros puants quoi. Homme ou femme d'ailleurs, hein. Il y a les deux côtés qui font ça. Merci les gars. Rien. Tout le monde est puff. Ouais, je veux bien un petit rebuff, ouais. Quelqu'un qui a du lait pour moi un peu. Oh, non, ça va, j'en ai 12 en force. C'est gentil, non, c'est friki. J'avais cru comprendre, je le prends bien pour le coup. Je pense qu'on est tous la référence ou l'aspiration de quelqu'un. Moi-même, je m'inspire, j'ai jamais caché, hein, d'autres streamers, notamment de Cocarnage, qui est à mes yeux une de mes références en stream. De par sa manière d'approcher le contenu. Je peux serment ici. Et tu penses toujours ça, Boons, même après ce que j'ai dit sur vous. Et que je le pense, hein, je ne regrette pas du tout l'avoir repris. Oh, j'explique pourquoi d'ailleurs. Je rappelle, un point d'exclamation. Wow. Tu mérites une plus grosse commu. J'en ai pas forcément envie. Hein. Ni sur la chaîne secondaire, ni sur la chaîne principale. Je veux que ça augmente au fur et à mesure. J'ai un exemple très très factuel. Enfin, je me remets pas au fâché. J'ai un exemple très factuel récemment. Sur Tarisland, je suis monté à plus de 400 viewers. En ce moment, j'ai une moyenne factuelle, vous allez voir sur Twitch Tracker, de 230, 240. Ice, je pense qu'il faudrait qu'il reste en bas. Ice. Ah oui. Ouais, en vrai. Bon, faut que tu sois au coin. Reste pas du canon, Ice. Ah ok, je me mets là et j'attends. D'accord. Le canon qui a ouvert la porte. On attend qu'il les ramène. En fait, faudrait que je prenne le canon. Je puisse leur tirer dessus avec le canon, ça serait bien. Ouais. Mais il y a ça. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je raconte là hein. Ça, t'as bien raison, Carmen. Que c'est un bol, ça. Peut-être AZEDO, c'est vraiment ça. La reconnaissance vient avec le temps. Le problème, c'est que si je vais ça au cac, ça me défufu. Et si j'ai un mec à portée de corps tant que tu l'as pas amélioré, c'est de. Ouais, faut l'améliorer dans l'aspect finesse. Webzoo, juste avant de. Oh putain, attendez, deux secondes. Webzoo, tu dois filer là, ça, je comprends très bien, il est 22h44, hein, y a aucun problème. Parce que c'est juste que j'aurais aimé qu'on reparle vite fait de la... celle que tu m'avais envoyée, la rouge bande noire. Mais reconnaissant, je te dis, c'est pas... ça, je l'ai jamais caché non plus. La raison pour laquelle moi je stream, je l'ai déjà dit, je pense que 100% des streamers qui stream donc, le font pour pour compenser un manque. Tous, sans exception. Que on soit multimillionnaire, un acteur connu comme Manuel Ferrat ou autre, on a tous un manque. Il peut être très varié. Hein. Pas forcément le même manque. Merde, je monte pas là, je reste là. En vrai, je crois qu'il y a des... J'essaye de passer. Je longe le bord. Ah oui, on était monté jusqu'à là. Ouais. Ouais. J'ai peur d'Agro Van Cleef en fait. Non, il est dans la cabane. En fait, c'est juste qu'il y a les 3 mobs là qui vont arriver. Non, ça va, tu peux. Il y a le temps. Non, attention, il y a un pote, hein. Faites gaffe. Il arrive la pote. Gaffe. Ah oui, je le vois. Ah, ici, je descends. Mais je descends. Mais ils arrivent. Ok. Ouais, mais. Viens, Xela, il est gelé. Oui, bah, je suis Nova. Saute. Webzoo, ouais, t'es toujours sur le live ou pas? Ils vont pas m'aggro. C'est bon. Non, mais j'ai peur qu'ils m'aggro moi. Ah ouais, mais c'est bon. Oui, ah, non, oui. Mais toi. Ah non, par contre, faut pas que tu passes près de l'escalier. T'attends. Dans un rouge, t'es Nova pendant 20 secondes, je t'avoue que. On arrive sur le boss de fin. Après, si tu l'as filé, je comprends totalement, mec. Il est bientôt 23h. Je comprends 100%, mais là, on arrive sur le boss de fin. Nova, je vais pouvoir être totalement focus sur notre échange. À 100%. Ah oui, elle suit. Il va mourir, il va mourir, Lily. Il a mon date. Oui, mais bon, temps d'aller à gros d'autres mobs. J'arrive avec un petit mob. Il y avait 34 PC. Et ensuite, il y a un petit coffre. Là, le boss de fin est dans la maison ici. Hein. Donc, on y est presque. Pour ça. Après, si tu l'as filé maintenant, encore une fois, il n'y a pas de problème. T'as déjà été incroyable aujourd'hui, après le dimanche. Merci pour ça.
Est-ce que tu veux les aggro en ça, étant là, collé sont... Bon, les aggro, non là. Ils sont juste en dessus. Attends, il y en a un qui était aggro, deux, trois. Ah oui. Putain, go sauter là-bas là. Ouais, on les attend. Ça les a aggro, ma présence, mon charisme. Je suis sur la grande roue, moi. Ah oui, bon, tu peux rester. Hein. S'ils viennent qu'à 3, c'est bon.